Donc, on va voir maintenant l'exercice 1 sur les outils mathématiques. Donc, soit la fonction f de x, y est égale x carré moins y carré. Les variables x et y étant elles-mêmes fonctions de r θ, telles que x est égal r cosinus θ et y est égal r sinus θ. En d'autres termes, on utilise tout simplement les coordonnées polaires. J'ai là dans y, dans x, un point M. Je peux le repérer par la coordonnée x et dans le plan, un point dans le plan, et par la coordonnée y. Aussi, je peux le repérer par cette distance que je vais appeler R et par cet angle θ. Eh bien, si je veux x, x, c'est tout simplement r cosinus θ. Parce que cos θ, c'est x sur r. Là, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et pour ce qui concerne y, c'est r sinus θ. Je sais bien que ça, c'est y. Cet angle θ, c'est aussi celui-là. Sinus θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. C'est-à-dire que y, c'est r sinus θ. Donc, il est demandé de calculer ces deux dérivées partielles. La dérivée partielle de f par rapport à r et par rapport à θ. Df sur dr avec θ est une constante. On peut écrire comme ça. C'est pour dire que θ est une constante. Moi, personnellement, dans cet exercice, je vais écrire tout simplement df sur dr. Ce symbole-là, c'est tout simplement le dérang. Dérang, c'est pour la dérivée partielle. Le dérang est utilisé, il est utilisé si on a plus qu'une seule variable, c'est-à-dire 2 et plus. Pour une seule variable, on utilise le D droit. D, et il est bien droit. Ce D là, il est appelé dérang. Calculez maintenant ces deux dérivées partielles secondes et commentez les résultats. Je vais tout de même ajouter une remarque concernant juste la prononciation de ces deux dérivées. Il ne faut pas prononcer d carré f. Il faut prononcer d2. Ça, c'est un 2. C'est pas carré. C'est pas ce que vous connaissez, par exemple, x fois x et x carré. Non.
d2f sur dr dθ. d2f sur dθ dr. En fait, ce sont des dérivés. Bon, ils sont mixtes parce que, comme vous voyez, j'ai dr, dθ, dθ, dr. Et pour l'autre, on prononce d2 de f sur dx2. C'est pas sur dx carré. d2 de f sur dy2. Voilà. Donc, on a énoncé un peu cet exercice. Après, on va voir le corriger.